Le verdict est attendu aujourd'hui dans le procès du meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, sauvagement tuée à l'arme blanche chez elle à Paris en mars 2018. 18 ans requis contre Alex Karumbakus, accusé d'avoir assisté au meurtre et volé des objets. Réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Yacine Mioub. Maître Gilles William Goldanel, avocat de la famille Knoll, a salué des réquisitions exemplaires. Monsieur l'avocat général a d'abord montré qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que Yacine Mioub était l'auteur et le seul auteur du terrible meurtre, que l'instruction montrait tous ses mensonges. Monsieur l'avocat général aussi n'a pas caché l'antisémitisme d'un petit antisémite de quartier. C'est pour toutes ces raisons cumulées qu'il a été demandé la réclusion à perpétuité contre Yacine Mioub.